right. No, bitch, be on. Salut tout le monde, on se retrouve sur le skyblock de mon cube. Donc je fais cette vidéo pour vous faire voir tout mon avancement et tout ce qui s'ensuit. Donc je me suis pas mal avancé depuis la dernière fois, hein. Donc j'ai fait beaucoup plus de trucs. Donc cette vidéo va être assez courte vu que je vous montre juste mon avancement sur le skyblock. Donc je vous invite bien sûr à le rejoindre car je le trouve vraiment bien quoi. Et la preuve j'y suis encore. Donc pour ce que j'ai fait le plus, j'ai modifié toutes les cultures. Donc, voilà. J'ai fait une ferme à cactus. Donc vraiment, elle est vraiment géante en vrai. Hein. Elle va produire beaucoup. Donc là je l'ai pas encore fini vu qu'en fait il me faut 32 de cactus, donc un de sable. Donc je vais en avoir pour un petit bout de temps à tout remplir, mais bon ça c'est pas trop un problème à la rigueur. J'ai fait une ferme à canne à sucre de 6 étages. Donc je compte l'améliorer jusqu'en haut, jusque là-bas là. Donc ça produit plutôt pas mal quoi. Donc là j'ai eu ça et puis j'ai vidé tout à l'heure quoi. J'ai une ferme à PNJ aussi maintenant. Donc je sais pas si elle était sur l'ancienne vidéo, je me rappelle plus trop. Enfin bref, j'ai une ferme à PNJ. Donc j'ai tout fait descendre jusqu'en bas. Hop. Donc on peut déjà voir que j'ai quelques PNJ, genre fléchier, prêtre, fermier. J'ai le raccommodage aussi. J'ai de l'efficacité, enfin j'ai encore quelques trucs. J'ai aussi le semelle givrante 2, ce qui est assez rare. Donc je suis plutôt content. Ensuite, donc oui, il y a les golems aussi qui spawnent en même temps. Donc les shops aussi, je vais tout bouger en bas. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que quand je vais avoir tous mes PNJ, et eh ben je vais mettre des PNJ qui échangent juste en bas. Et comme ça, les livres que je vais acheter à mes PNJ, je vais les revendre. Donc ça va être un petit peu mon business quoi. J'ai eu un beacon aussi. J'ai modifié la ferme à champignons. Voilà, donc maintenant c'est semi-automatique vu qu'on appuie sur un bouton, enfin voilà quoi. Mon stuff c'est ça, bon voilà, je remets l'armure, hop. J'ai quelques trucs. Voilà, il me manque les bottes et le casque. Voilà, j'ai quelques livres là. Donc voilà. Ensuite ce qu'il y a dans les coffres, bon, c'est quelques trucs. Oh. J'ai beaucoup de cuir. Hop. Voilà, j'ai les quelques cultures. J'ai ma nouvelle ferme à pierre qui fonctionne vraiment très bien. Je vais vous faire voir. Hop. Voilà, donc vous restez comme ça et ça va se remettre tout de suite automatiquement. Enfin, je le trouve vraiment bien. Et là ensuite, hop, il y a les entonnoirs et qui amènent tout en bas dans le coffre. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que chaque hopper enlève un niveau de l'île. Donc là, je suis niveau 332. Si j'enlève tous les hoppers, je vais être 360 environ, un truc comme ça. Donc je trouve un petit peu dommage, mais bon, ça rajoute un petit peu de difficulté. Surtout pour les petits, vu que ils font leur machine avec les hoppers, enfin comme moi, quoi. Du coup, je perds beaucoup de niveaux. Alors que les grands, bon, c'est quelques niveaux, ça va, quoi. Du coup voilà. Donc j'ai pas encore fait les citrouilles et la pastèque tout autour. Donc ça faut que je le fasse ça. Aussi donc pour avoir une débroussailleuse en fait c'est une cisaille où ça nous rajoute de la vitesse et de la vie je crois. Donc il faut deux doubles coffres de pissenlit et de coquelicots. Et donc j'ai fait ce système. Donc il est simple. Ça va faire ça tout le temps en fait. Voilà. Donc il est vraiment cool ce système et puis ça me permet de procurer pas mal de trucs. Surtout que le blé, ouais, si vous voulez des graines de blé, on est plutôt pas mal. Je suis obligé d'en jeter même. Donc c'est à peu près tout pour mon avancement. Donc j'ai pas mal avancé, ça c'était beaucoup de travail hein, parce que ça je l'avais déplacé en bas. Ensuite ça allait pas parce qu'il fallait de la lumière, donc je l'ai redéplacé en haut. Enfin c'était vraiment chiant. Et j'ai eu aussi le VIP à vie, donc ça c'est vraiment cool. Donc on a le fly et tout, enfin je suis passé VIP quoi. Là c'est une petite ferme à poulpe. Puis voilà, je crois que c'est à peu près tout.
Donc je vous invite à rejoindre le serveur, donc lip.moncube.fr. Et puis si vous voulez, je vous aiderai pour le début de votre île et volleyball ou quoi. Vous m'envoyez un petit message et puis c'est bon. Donc voilà, bye bye.